Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Tunic. Et c'est incroyable. Ok. Alors, par contre je sais pas où je dois aller et ça, ça me trigue. Très fort même. Ah, ils sont chiants eux. Bon. Il y a le mec de la Funky Family qui débarque là. Planté. Mais c'est... Et ça, je peux pas l'ouvrir, ça? Mais si! Ah! Bah voilà le shortcut de mort. Putain, si j'avais su ça dès le début, ça m'aurait fait gagner un temps fou. Je suis trop con comme mec. J'avais pas tiqué. Évidemment, je découvre ça quand j'ai plus besoin d'aller dans cette zone de merde. Attendez, parce que je suis un peu du père, là. Je sais pas trop où je veux aller. C'est sûr que c'est pas par là. Et là, il y a la plage. En dessous, il y a la plage de mort. Ça, ça m'intéresse. Je sais plus où c'est. Il y a une plage quelque part. Somewhere. Beyond the sea. Ouais, voilà ça, là. Ah, il y a l'air d'avoir un passage en dessous, là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans la maison? J'aurais loupé. Non. Il fait chaud dans la maison. Tout à fait mon idée, mais ça m'a fait peur. Au demeurant, ça m'a fait fort peur. Là, c'est... Je suis arrivé par là. C'est là où j'ai commencé l'aventure. Il fait chaud dans la maison. Putain, mais je me disais qu'il était pas droit le téléphone. C'est normal en fait, j'étais pas sur le bon côté. Ok. Alors, c'est quoi le programme? Mais ça, j'ai fait tout ça, j'étais déjà venu là. Oh là, il y a un passage. Oh oui. Vue Grillade. Ti 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 ti. Tout ça j'ai fait hein. Tout ça je m'en rappelle très bien, j'ai fait... Ah, saloperie. Arrête. T'es malade, Bernard. Bah, il y a un truc, mais je peux pas y accéder. Mais si, ça, j'avais fait, je m'en souviens très bien. Ça a amené là. Il y a un shortcut de merde ici. J'aurais tendance à croire que c'est là-bas, mais je vois pas ce que je dois foutre là-dedans, donc... Oh, ils sont très énervés, eux. Vous allez vous calmer, hein. Tout de suite. Il y avait quoi au bout, là? Je me souviens plus. Un connard et un pont de merde. Ah oui. Est-ce qu'il faudrait que je retourne dans la zone de glace de mort là? Non, parce que la porte était fermée, je pouvais rien en faire. Si vous savez, n'hésitez pas à spoil. Hein. Parce que je vous avoue que là je suis un peu largué. Ça se trouve que j'ai loupé un passage ou je sais pas quoi. Ça me paraît très gros, mais... Ah, il y avait un autre puits, là. Deux. Ah, peu importe le puits où on le met, en fait, ça... Non, mais eux, c'est des ennemis. Oh là là, c'est des loups. Des loups de merde. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pas grave. Ah, je pense que... Ok. Je vois un passage de l'autre côté. Si ça se trouve, faut que je me serve de ça.
Ça, à mon avis, c'est probablement là pour m'indiquer où je dois aller. Ok, ils ont l'air chelous, hein. Ça, là. Faut que j'active le truc, je pense, mais je sais pas comment je peux faire, donc dans le doute, je vais me casser. Attendez, sur ma map là, où est-ce que j'ai pas été? C'est où les maps? Là, il y en a. Vieille demeure vers la forêt de l'Est, temple scellé, à la porte des montagnes, passage interdit. Ouais, tout ça j'ai fait là. Oh, le réseau de pont de merde cassé là. Je suis sûr que ça peut servir à un truc ça. Clocher. Et la plage là, comment qu'on fait? Ah, y a une échelle. Ah! Ça fait sonner la cloche de l'ouest, oui. Oui, la cloche de l'ouest, je l'ai faite sonner. Vous tuera, d'accord, sympa. Poignard magique. Puis, page 29. Et je vois qu'il y a une échelle là, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel accès à la plage. On va essayer d'aller choper la page sur la plage là. Faut pas trop où est l'échelle, mais on va la trouver, hein, c'est pas grave. Mais là pour le LOLs après tout. J'apparais là-dessus? Ouais. Ah, c'est de l'autre côté, ok. Ok, donc là j'ai l'hôtel de merde. Et je redescends. Hein. Encore un étage en dessous. Même encore un en dessous là. Voilà. Je vais à gauche. Mais je peux rien faire ici. C'est qui est bloc. Ah non, c'est celui du dessous, pardon. Ça pinche à gauche. Oui, c'est ici, ici. Voilà. Et là, je peux pas passer. Toute la problématique. Faut que j'y aille par l'autre. Ah putain, mais si, je vois tout à fait où c'est. Mais ça me fait faire un tour de malade là. Ça se fait, hein, mais c'est chiant. Ah, mais j'ai le shortcut par là, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce monde où j'ai le shortcut. Et là, il y avait un pont de merde quelque part, je sais plus où. Peut-être bien là en fait. Hein. Voilà. Et là, il y a... Ah, putain, c'est ça l'échelle. Mais je peux pas descendre, du coup. Ah non, c'est encore plus loin. Mais je peux pas y aller. Sage. Oh là là. Putain. Il est super énervé, hein, c'est chiant. Avec mon shield, ça donne quoi? Ah, il me poinçonne le cul quand même, hein! Bon, tu me saoules. Tu m'as saoulé, voilà. Conclusion de tout ça, c'est que tu m'as cassé les couilles. Il a une rage incroyable, exactement. Ça, vous savez, c'est la faute à quoi? Les décideurs! Ça te va, les décideurs? Va si je te dis les décideurs. Mais du coup, je peux passer là? Ah oui, je peux passer là. Putain, il y a la tourelle, c'est vrai. Mais non, mais je suis déjà venu ici. C'est pas du tout cette plage-là à laquelle je pensais, en fait. Non, mais je suis déjà venu 10 fois, là. Évidemment. Il y a encore un trésor, là-haut. Oh putain, je l'ai pas pris tout à l'heure. Quel con. Alors que je me suis fait chier à sabater la tourelle de merde.
Ok. Trop bien. Ouais, j'étais rentré là. Je suis du père, ça me trique quand je suis du père comme ça. Ok. Bah je vois pas bien où je dois aller. Ah, ou peut-être que je peux traverser. Attendez, il y a un monde où peut-être que l'eau est pas très profonde et que je peux traverser du coup. Même si j'y crois pas trop. Je peux pas marcher dans l'eau là. J'ai pas le droit. J'ai pas ce droit. Non. Non, non, ça ne marchera pas. Ah, ça, ça marchera en revanche. Voilà. J'y ai compris. Ok. Forteresse du sanctuaire de l'Est. Oh putain, au secours. La toile en ruine. Domaine des Batraciens, mais c'est où ça? Il y a les contrées sauvages, des corticaires. Putain, mais si j'étais allé là, et je me suis cassé. Mais alors pour y retourner, oh, au secours. Comment ça s'appelle? On sait pas. Si je me souviens, j'étais allé dans cette zone de merde là. Alors par contre, je sais plus du tout comment j'y étais. Hein. C'est un peu le drame. Arrête. Non, y a rien. Ok, il y avait juste ça. D'accord, très bien. Comment j'avais été dans cette zone de ces morts là? Pas un truc ici au fond là? Non, y a R. Y a R. Oh, le prank était maximal. Hein. C'est pas par là, tout simplement. Non, c'était juste un... Ouais. Oui, il y avait les piafs de ces morts et tout, là. C'est peut-être par là que je dois aller. Je m'étais barré pour je sais plus quoi. Ah, c'était là. C'était tout simplement par ici. Voilà, on va aller par là, c'est bien. Est-ce que c'est ça, du coup? Ah oui! Ok. J'avais réussi à passer, non? Ah oui. Ah non. Attendez, le piaf de mort, là. Ah, il y avait un passage, là. Ça, c'est du prank. Ça, c'est du prank où je m'y connais pas. Waouh! Peut-être que j'y aille par en haut, en fait. C'est peut-être juste un secret à la con. Mais il y a le pont, là, donc ça se trouve... Ou j'y aille par là. Ah mais non, parce que le pont, il est broken. Ah, il est pas pété. Ah mais si, il y a cette merde devant, là. Tes cartes, c'est des power-up. Ouais, mais je sais pas trop comment je m'en sers, en fait. Je sais pas trop comment je m'en sers. Y a pas un truc dans le manuel sur les crochets, là? Ah, attendez, ça m'intéresse. L'atoll en ruine, ouais. Ah oui. J'ai 24. Carte de bracelet que tu viens de récupérer, ça me fait penser au bracelet de force de Zelda. Ok.
Bah, le problème, c'est que j'ai pas trop d'infos sur les power-up. Qui permettent de soulever les cailloux. Ah, ça c'est intéressant, ça me... C'est intéressant, ça. Ça me paraît très gros que ce soit pas du tout expliqué, quand même. Ça doit être dans le manuel quelque part, hein, mais j'ai pas la ref, comme d'hab. J'ai une carte aussi du truc de merde, là, où j'étais tout à l'heure, où je comprenais pas ce que je devais faire. Et ils me disent... c'est encore assez la... Ouais. Les pages 24, je l'ai, la page 24, je me souviens plus. Je vais pas l'avoir. Ah si, je l'ai. Il faut que je reste 3 secondes. Putain, mais j'avais la soluce. Ok. J'ai la ref. Donc je sais comment faire maintenant. Alors attendez, je vais regarder, juste regarder ça là. Non. Je sais pas à quoi ils correspondent les trucs. Hein. Il y a un moment dans le manuel, ils te le disent vite fait, mais t'as pas tout. Ouais, voilà, là. Ah si, attendez. Non, pas du tout. Au secours. Ok. Je vais essayer de retourner dans l'endroit de mort, là où j'étais tout à l'heure. Ça, ça fait rien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un délire avec les dalles dorées, là, que j'avais trouvé aussi? Et ça, ça m'ouvre des portes, hein, je sais pas. On va checker. Donc, il y en avait une au-dessus, là. Au milieu, là, non? Ouais. Ah oui, ça active un truc. Hein? Oh là là. C'est un truc de TP? Oh, c'est trop bien. Ok. Un truc de TP, c'est trop génial. Ah oui, c'est toutes les offrandes que je lui ai faites. Ok, je vois le délire, trop marrant. Donc je peux me TP avec ça. Ah putain, mais fallait le dire tout de suite. Faut le dire au monde. Par contre, je sais pas où ça va. Hein. Ah. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Il va falloir que je check un peu tout pour être sûr. Allez, sors de là. Ah oui, non, c'est par ici. Celui-là, par exemple, il va où? What the fuck? Une grosse épée, ça, dis donc. Ah, c'est pas un truc de TP du tout en fait, hein. C'est un... C'est autre chose. Ça m'emmène vers des lieux un peu mystiques. Ok, j'ai la ref. Peut-être qu'il faut que je sois de l'autre côté pour utiliser le... Ah ouais, donc il y avait bien une putain d'échelle. Ok. Je suis pas du tout vénère, c'est pas grave. Il y avait bien une putain d'échelle, mais elle était indiquée sur le plan, hein, mais elle était juste archi sneaky, quoi. On va faire cette zone, là. Ça m'intéresse. Ok, donc les cartes, ce qu'ils appellent des runes. C'est des effets passifs sur tes stats, tes potions, ou activent un effet dans certaines conditions. Ok. Ça marche. Merci de l'info. C'est, je m'en doutais, mais il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? C'est des crabes, des crobes. Pas des éléments qui te bloquent dans ton avancée. Ok, ça marche.
Merci du pro-tip, c'est dit. Ce sont des crobes. Je pense que je vais avoir l'explication de ce truc-là. Ah, le poulet. El Polo. Con de toi. Ça sert à rien, ça? Non, ça sert à R. D'accord. Lui, je le sens. Je le sens moins, par contre. Il va te manquer le grappin ou un truc du style. Ok. Viens là, là. Ah, chais. Mais effectivement, je pense qu'il va me manquer le grappin. Ah, donc ça, là, voilà, là, ça, je sais comment l'activer maintenant. C'est ce que je pensais en voyant ce type de crochet, certes. Je vais mourir si je vais là-dessus? Non, pas du tout. Oh, le gros crabe là-bas. Et je peux me tromper? Non, je pense que t'as raison, hein. Je pense que t'as raison, il me manque un item là pour me servir de ça, mais. Sinon, au pire, je vais dans la zone de tout à l'heure, maintenant que j'ai compris comment ça marchait. J'ai arrêté d'être stupide. Ça, c'est chiant. Ok. Marrant. Si je pouvais aller au-dessus, là. Puis sur le teco aussi. Maintenant que l'affreux Korbach est mort. Oh, le poulet est toujours là. Do you know the poulet? Come back, my chicken friend. Il redonne vache de mana. Je suis sûr qu'il y a une martingale. J'appelle François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Le nombre de coffres cachés, c'est scandaleux, ça. Ok. Arrêtez. Commencer à m'emmerder. Voilà. Mais là, il y a le gros crobe, non? Ah, mais là, c'est pareil, il me manque le grappin, en fait. Je pense que je pourrais pas plus avancer si j'ai pas le... pas le grappin. Quoi, rembourser la campagne des... ça doit être ça, ouais. Oh! Trop bien. Non, mais je veux la clé. Give me the clé. Batman! Ah! Maintenant, je sais comment l'activer. Et maintenant, du coup, tout est fonctionnel. Sur cette tondeuse, tout est bien fini. Ça fait rien, ça, ok. Au vu. Je peux toujours marcher dessus. Ça, c'est bien. Ok. Ouais, d'accord. Oh, les pranks, toi. Oh, les pranks de qualité supérieure. C'est beau, hein. Ça joue sur la perspective et tout, c'est stylé. Le batracien de merde. Ok. Il me faut toujours le grappin. Toujours pareil. Toujours le même problème. Oh les batraciens. T'es mal à taille du batracien. Oh, je
Oh, je peux déjà le pranker de l'étage, trop bien. Oh, c'est ninja, lui. C'est le voleur. Ninja. Oh, je sais pas où je vais, mais j'aime pas ça. Ah, oh, c'est le domaine des batraciens, j'en suis sûr. Ah, oh, j'en suis sûr, c'est le domaine des batraciens. Au secours. Serait-ce une erreur de venir ici? Probablement. Si vous pensez que je fais une connerie, offrez 10 subs. C'est pour soutenir la campagne de Valérie Pécresse, vous le savez. Hein. Évidemment. Terrible. Oh bah ça va, ça se baigne tranquille là. Oh, ils sont énervés. Merci. Merci. Merci infiniment, Johnny Raton, pour le CICE. Il en manque 9. Comment ça va, mon Johnny? Monsieur Ratonius est parmi nous. Ah, j'ai plus d'endu. Je trouve que tu fais aucune connerie. Ah, je suis sûr que c'est de l'habitant en bois. Du coup, si là je le fais, ils réapparaissent ou pas? C'est débile ce que je fais là. Qu'est-ce archi con? Ouah, lui, il s'est pris le coup de taser. À peine sorti de la douche, on l'appelait la Claude François. J'ai plus d'endu, hein. Comment ça va, mon Johnny? Comment allez-vous fort bien? Oh, le ninjo. Oh, le ninjo. Faut que j'arrête d'être con, arrête. Oh, le bâtard. Oh, il m'a mis un coup de langue, là. La liquette, quoi. Il dirait Macron avec les électeurs d'extrême droite, quoi. Non, mais sérieux. Terrible. Ok. Ça va fort bien et vous-même, je sors du théâtre. Oh non, pas Claude. Bon, moi ça va, écoute. Hein. Je peux pas le prendre, ça? Jamais j'aurai une meilleure épée. Oh, les fleurs. C'est bien, les fleurs. Il me semble que ça me permet d'améliorer un truc. Vous sortez du théâtre. Vous avez été voir une pièce ou vous teniez la réception? Le guichet. Aux côtés de notre amie Roselyne Bachelot. Je peux jeter un pétard là? Oh oui! C'est la panique sur les boulevards! Ah, ça y est! It's a prank, bro! Calmez-vous, monsieur. Obtempérez. Oh, il est très ninja, lui. Je fasse attention quand même, hein. J'ai pas beaucoup de vie. Je suis un peu une cracotte. Hein. Je suis allé voir un pestacle. C'était de la VR et c'était trop cool. Oh, stylé! Stylé de ouf. Alors, attendez voir. Oui, c'est juste des shortcuts. En fait, il y a des shortcuts partout dans ce jeu. Eh, hey, Tronduc! Oh, il m'a leaked! Mais il fait super mal par contre. Ça, c'est un vrai problème. Aïe. Je monte. Ça fait moins le kékos, là, un trou d'ugve. Vas-y, viens là. Viens là. Viens là, on va en discuter, mon pote. Ouais, ferme ta gueule. C'est mieux pour tout le monde, ferme bien ta gueule. Par contre, j'ai plus de magie. Plus du tout. J'ai encore un shot. And after that, je sais même pas si j'ai encore assez de mana pour le lâcher, tu sais. Ok, eux c'est des sbires, ça va. C'est les ninjos. Mais c'est les petits ninjos, donc ça va. C'est vraiment le meilleur prank. Est-ce qu'ils peuvent me leak, eux? Ok.
Oh les œufs. Ah! Oh putain. Oh l'agression que je viens de me prendre. Ça je m'y attendais pas. Ah oui, j'ouvre. Je marbarditure. Oh non, mon écran qui flicure au pire moment. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu t'es cru mec ou? Tu t'es vu quand t'as cru? Ok, 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 je m'excuse. Aïe. Je vais canner hein. Je vais Guillaume canner, c'est une certitude absolue. Le domaine des batraciens, c'est où? C'est pas là. Encore après, voilà. Il y a une golden door derrière. Il faut que j'arrive à savater l'autre avec la vie qui me reste. C'est rien. Ah mais il est mort. Parfait. J'en attendais pas plus. J'en attendais même pas tant, faut être honnête. Oh mais en fait j'aurais pu... Ouais d'accord, je me suis vraiment fait chier pour rien. Je me dis quand même c'est salaud et je suis un débile quoi. Oh là là, j'aime pas ça du tout. Hein. Oh une dent, la dent de ses morts. Oh putain, au secours. Alors attendez, il y a un monde où on s'amuse un peu là, regardez. Ah, c'est bien ce que je me disais. J'ai plus de vie en... Ça marche plus ça, hein, on est d'accord. Ah, et je peux remonter du coup. Ah, alors attendez, si je peux remonter... Du coup, ça veut dire que je peux retourner à l'hôtel. Il faille quand de retourner à l'hôtel. Ah oui. Putain, c'est planqué, hein. La vache. Mais du coup, est-ce que j'ai assez pour faire des... Oh, j'ai largement assez pour faire des offrandes, surtout sur l'attaque. Je prends l'attaque, évidemment. Je vais voir ce que je peux prendre d'autre. La santé, ce serait bien, mais il me faut 1000 et je pense que j'aurai pas assez, du coup. Ou alors que ce sera pas productif de le faire. 4 points d'attaque. Magnifique. Potion. Ah non, les pèves, je peux. C'est la potion que je peux pas. Alors ça, c'est quoi les champax? Les champotes? Champax, champotes. Ça donne les champignons. Ah, les points de mana, bah oui, évidemment. Je me sers pas tant que ça de la magie, mais je prends quand même. Et je vais évidemment prendre la vie. Si je peux augmenter ma vie à fond de cale, ça me va. Et je pense que je pourrais pas en mettre un de plus, parce que j'ai déjà bien épuisé les réserves, là. Ouais, c'est ça. Ah, mais quoi que je vais... Ah non, mais c'est pas surtout que j'en avais qu'un. Ok. Ça devrait déjà un peu mieux se passer là. Ah oui, c'est très efficace, oui. Aïe. Bon, les ninjos là, vous me faites chier. Aïe. Oh, c'était mauvais ça. Je vais le restart. Hein. C'était très mauvais ce qu'on vient de voir. Je débarque et je comprends. R, c'est quoi le principe du jeu? Alors, c'est un espèce de Zelda-like. Ah merde, Grillade. Avec des inspirations Dark Souls. Donc c'est assez dur. Ça fait partie de cette catégorie de Souls que j'aime bien. Comme Ashen, parce qu'ils sont jolis et très sympathiques visuellement. Du coup on se fait pas chier et en plus c'est pas moche. Ah putain mais j'ai pas vu le tapis de merde là. Donc le but du jeu, bah t'es droppé dans un monde que tu connais pas. Tu récupères des pages de manuel comme ça qui te donnent des infos. C'est à toi de te démerder avec ça et de trouver ce que tu dois faire. En l'occurrence, taper des batraciens et autres saloperies. Le sel est moins présent. Le sel est beaucoup moins présent parce que le jeu n'est pas unfair, comme les Dark Souls. Parce que Dark Souls est un non-jeu. La seule mécanique de gameplay, c'est en fait de faire des trucs qui vont à l'encontre des propres mécaniques de gameplay pour créer du challenge. Vu que c'est un challenge qui n'existe virtuellement pas.
Voilà, comme par exemple ne pas pouvoir taper à travers un mur, mais qu'un boss puisse le faire. Donc non, là, il y a un peu d'enjeu. On s'emmerde pas. Non, je déteste Dark Souls, pas du tout. Alors lui, il va faire claquer tout le monde, voilà. Oh là là, oh le drama, toi. Tout ça pour un coffre de merde. Je peux même pas ouvrir, si. Mais ouais, non, ça a rien à voir avec Dark Souls, hein. Déjà, ne serait-ce que pour la vue, etc. C'est pas du tout comparable. Mais il y a des inspirations dans le gameplay, les timings, tout ça, la difficulté aussi. C'est assez dur. Dur mais pas infaisable. Oh! Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je vais tomber et je pourrais pas remonter. Il m'a vu ou pas? Je fais un essai. Ah oui, ok, vu. Oh mais, oh là! Oh là, qu'est-ce qu'il veut l'enchanteur de merde là? Tu vas te calmer là? Eh mais ils essayent de me lick my pussy là? Je vous ai jamais raconté cette anecdote absolument débile mais hilarante. Quand j'étais en école d'info, on a des potes d'une classe... Mais ce serait pas le grappin, tiens. Une classe bien, bien supérieure à la nôtre. Je suis sûr que c'est le grappin. Qui avait fait une game jam, donc qui du coup avait développé un jeu. Ah ouais, c'était donc ça. C'est pas ce que je voulais faire. Ah putain, mais j'ai une utilisation limitée du bousin. Ok, faudra que je fasse gaffe. Hein. Du coup, j'ai pas été regarder ce qu'il y avait dans la porte dorée. Je me déteste. Ça, c'est des trucs de pranker, ça. Pourquoi il me dit 6? Ah, peut-être que je peux m'en servir comme d'une arme, en fait. C'est ça, la blague? Oh, merde. Ok. Ah, d'accord, ok. J'ai eu la ref. Et on a des potes qui, du coup, d'une autre classe, avaient fait une game jam. Donc ils devaient faire un jeu en 24 heures, un truc comme ça. Ils avaient fait un vieux jeu tout claqué sur RPG Maker. Qui était un petit logiciel qui permettait de faire des RPG. C'est très très sympa, très bien foutu et tout. Et je reviens au début du coup, ok. Maintenant que j'ai le shortcut, c'est pas grave, je peux redescendre. Et ils avaient fait un jeu. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un délire. Où tu devais tuer des sorcières, je sais pas trop quoi. Ah oui, d'accord, j'ai compris, j'ai la ref. Tu devais tuer des sorcières dans un espèce de truc techno-futur des enfers. Et évidemment, informaticien oblige, il y avait que des refs de cul, des trucs comme ça. Et il y avait du coup Allison, qui était en dernière année, qui avait record des voix. Et le boss final qui fonçait vers toi et qui te chopait avec sa langue comme ça, justement, il gueulait « Lick my pussy !» Voilà, et ça m'a toujours fait hurler de rire parce que je trouvais ça complètement débile. Ah, vous pouvez les voir là. Ah, il y a un coffre. Intéressant. Ok, on pouvait les voir pendant la prêche. Je peux attraper des trucs là? Ouais, c'est quoi ce délire hein? C'était assez audacieux comme game. C'est assez audacieux comme gameplay. Je vous avoue que j'étais pas prêt. Ça n'avait surtout aucun sens. Ok. Ah, je peux. Oui, d'accord. Fort bien, fort bien, fort bien. Je vais redescendre. Hein. Je vais redescendre parce que du coup, j'ai pas vu la Golden Gate là. J'ai pas vu ce qu'il y avait dans la Golden Gate. Je veux voir ce qu'il y a dans la Golden Gate. Mais ce serait pas un boss du coup? A déjà été volé. Ah oui, d'accord, ok. J'ai la ref.
Vas-y, fais ta prière, là. N'est pas très efficace. Ouais, donc en fait, c'était le grappin. Ok. Ok, le domaine des Batraciens, c'est fait, alors. Bien, fort bien. Ah, mais le Lick My Pussy, ça, ça m'avait... c'était assez audacieux, quand même, comme move. Lick My Pussy! En fait, t'entendais ça depuis le début de la map jusqu'à la fin, parce que c'était le boss final qui t'appelait. C'était un délire. Hein. Et ils avaient évidemment pas gagné, hein, pour des raisons plus qu'évidentes. Je crois que le jury n'avait pas trop apprécié la blague. Assez moyennement, en tout cas. Par contre, pourquoi 10? Je comprends pas. Je comprends pas à quoi ça sert. Oh, le batracien! Il y a une grenouillade. Ça me prend pas d'endu, ça me prend rien, ok. Bon bah je remonte, hein. Oh le gland. Ouf, t'es un petit prankeur toi, hein. Tu vas bien fermer ta gueule surtout. J'aime pas les mecs comme toi, j'aime pas trop les coupures et les fils de pute. Ah oui, trop bien. Un petit truc là, un petit... cadeau. Je pouvais faire le tour des... Ok. D'accord, non mais j'ai... Non mais utilise ton grappin de merde là. Arrête d'être stupide, voilà, merci. Magnifique. Aucune idée de ce à quoi ça sert. Ah non, si, c'est un leurre ou je sais plus quoi. Un délire comme ça, c'était un leurre, je crois. Arrête, Bernard, t'es un malade. Ah mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je me retape avec l'autre affreux, là. Ok. Wow. Ah oui. Oh, prankhead. Oh, lui, il a pris le prank maximal, quoi. D'accord. Je suis fou, là. Mais je suis pas déjà venu ici. J'ai l'impression que ça me rappelle un truc. Je pense que j'affabule complètement. Ah mais y a un coffre. Y a un coffre au-dessus. On va monter. Vous pouvez monter? Vous pouvez monter? Oh le coffre. Vu. Ok. Ah y'a un truc à activer là. Très bien. Ah mais je me souviens c'était sur le... Monte con de toi. C'était sur le plan. Je m'en souviens. D'accord, je pense qu'il faut que j'active les 4 du coup. Ça me paraîtrait assez évident. Pouette, pouette, pouette. Oh, et les prankers ? Bon, c'est puéril, Bernard. Il faut viendre maintenant. Mais ça, it's a prank, bro. C'est chiant. Ok. Voilà, ferme ta race, comme on dit dans le milieu. Trop bien la musique à ça. Tellement trop cool la zik. Y'a pas un petit shortcut là? C'est salaud ça les gars. Peut-être par ici. Ah peut-être bien par là, ouais. Ouais, ok, cool. Oh, il marche vraiment comme un crobe. Un énorme crobe.
sommes les hommes crabes. Alors. Ah, c'est cassé, ça. Tubit cassette. Comment je peux l'avoir, ce coffre-là? Oula. Ah non, ils sont chiants, eux. Ah, la touille. Oh la vache, ce que je viens de me prendre dans le fierce, là, ça, c'était savoureux. Hein. Il n'y a vraiment eu aucun plaisir. You've been cassed. Ah ouais, bah minimum, ouais. You've been pieuvred, entre autres. Ah oui, donc je peux les target bien plus loin. Ça m'arrange. Hein. Oh, même une fois que le truc a été activé... Attendez, je me pose une question, là. Lui, ça veut dire que je peux le pranker? C'est tout à fait ce qui va arriver. Très bien. J'aime ça, j'aime. C'est le genre de chose qui me fait très plaisir. Bon, je vais essayer d'aller retrouver le shortcut, là. Que j'ai... Ok. Ah, il va falloir que j'aille me taper l'affreux, là. L'affreux piaf de merde. Ouais, toi, là, trou duc. Vas-y, viens, là. Ok, ouais, alors il s'est fait défoncer. Régnorage de Sif à l'ammoniaque. En bonne. Oh oui, le pigeal. Viens là, toi. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah oui, si, il redonne du mana. Je vais vous laisser pour ce soir. Me lève encore tôt demain. Des bisous, les sbores. Bon stream. Des bisous, mon goudouine. Merci beaucoup d'être venu. Et la bonne nuitée surtout. Repose-toi bien. Et courage pour le taf demain. Ouf, ça, j'aime pas ça. Genre le truc qui me plaisent pas, ça. Arrête. Mais attendez, eux, je peux les grappiner, voilà. C'est ça. C'est ce que je me disais. Et toi, là? Je peux pas te grappiner, toi, trou duc? Ouais, voilà, c'est bien. Fais-toi agresser, là, c'est bien. Ok. Ouh, ils explosent fort, eux. J'aurais pu utiliser de la magie, là, typiquement. J'ai pas été malin. J'ai pas bien analysé la situation avant de m'y mettre. Oh, il est trop mimes. Good boy. Ok. Oh, shit. Combien de... 600, ok. Dans le doute, hein. Petite greux dans le doute, hein, évidemment. Une fois que je les ai chopés au grappin, c'est fini pour eux, en fait. C'est bolos direct. Bolossing en bonne et due forme. Ah ouais, ok, audacieux. J'aime bien ça. J'aime bien l'idée. J'aime bien ton style. Si je monte, y a quoi? Je peux y te regarder tout à l'heure. Je suis allé comme un charlot. Ah bah, y a le pylône. Tout simplement, y a le pylône. Attendez, faut que je le grappine. Viens là, viens, reviens, reviens gamin, c'était pour rire. Ah, c'est ça, il me manque plus qu'à... Il faut juste que j'active celui au fond là-bas. Sur le côté gauche. Ouf. Oh la mélasse. Oh la mélasse. Ok. Bah, évidemment que je puisse pas trop y aller. C'est un pot. C'est un pot de merde, voilà. Ah oui, bah ça, c'est le pont que j'ai ouvert tout à l'heure. Ah, cette porte-là, je suis passé à côté de tout à l'heure, je m'en souviens. Mmh.
Ah oui, et là je peux contourner du coup. Aïe. Fait mal de vivre sans toi. Il y a une échelle là. Ah mais elle va me faire retomber tout en bas. Ah non, d'accord. Vraiment, ok. C'est salaud, hein. Il joue vachement sur le... Aïe. Je suis dans une merde noire, là. Vas-y, explose sur sa gueule, là, c'est bien. Une fois qu'il est grappinette, il fait plus rien. Qu'est-ce que tu fous, toi? Ah, putain, quel con. Ouf, putain, j'ai failli prendre tarif là-dessus. J'aurais pu me faire nettoyer le séant comme jamais. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Faut que j'active le truc de ce côté-là. Mais il n'y a pas un hôtel quelque part? Ça va faire repop les ennemis, mais je m'en fous, là, je suis dans la merde. Ah, quoique non, je suis pas dans la merde, pas du tout. Pas du tout, même. Ah, trop loin. Well tried, bitch. Ah voilà, faut que j'aille... C'est par ici. Oh non, oh, ils sont chiants. Ouais. Tiens, vas-y, prends la greu, là. Prends la greu, ferme ta gueule, c'est bien. On fera des vacances, parce que les mecs comme toi, ça me saoule. Oh, les batraciens. Petit verre de vin, là. Oh, j'ai commandé du pinard, là. J'ai reçu ma caisse de... Mes deux caisses de 6 bouteilles, là, ce matin. Viens là, toi, mon gamin, qu'on discute un peu. Je te sens bien nerveux. Il y a des trucs, j'ai hâte de les goûter. Il va y avoir un plaisir. Ok. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, pas du tout même. Arrête! C'est chiant, Bernard. Ok. Je ne parlais plus, mais je ne peux que réagir. Le vin égale la vie, tout à fait très cher. Ah, je me suis pris des petits trucs du sud, là. J'aime bien les Languedoc, moi, tous les vins du sud. Trucs de Gascogne, trucs occitans, tout ça. J'aime bien. Et là, je me suis pris une petite sélection de trucs du sud, là. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympathiques. Petit Cahors, évidemment. Je me suis repris un petit Cahors. Bon, celui-là, je le connais, hein. C'est une adresse que j'ai déjà... Nous, on aime les vins d'Amérique du Sud. Ah, j'ai jamais trop testé les vins d'Amérique du Sud. Oui, des Bordelais, tout à fait. Daron d'April et son vin. Ah, j'ai une caisse bien... Enfin, j'ai une caisse. J'ai une cave plutôt bien remplie. Hein. J'ai combien de bouteilles, là, dans ma cave? J'en ai 2 x 9 et 25. 9, 18, 35... J'en ai 43. 43 bouteilles, là, dans l'appart. On est sur un patrimoine qui commence à être sympathique. Toujours du baume de Venise à commander grâce au chèque cadeau de mon CE pour des achats dans une huilerie. Ah bah, le petit baume de Venise. Sympa, le baume de Venise. Hein. Hardcore, mais c'est sympa. Hein. Je peux pas redescendre, là. Bon, en même temps, j'ai pas l'impression qu'on pouvait faire grand-chose. Si, je suis sûr que sur cette plage, il y avait un truc et que je l'ai loupé, du coup. Chez le démon. Ok. Ah, ça fait baisser ma vie. Oh, ça fait baisser ma vie, max. C'est honteux. Attendez, mais c'est pas permanent, j'espère. Cette connerie, là. Oh, me dites pas que c'est permanent. Si c'est permanent, j'ai un démon. De toute façon, je vais m'arrêter là, je pense. Heureusement, ça n'est pas permanent. Et je vais juste aller au centre voir ce qu'il y a, puis après, je m'arrête, parce que... Avec autant de bouteilles... Il y a de quoi être épégresse. C'est pas de l'argent, au moins, elle pourra noyer son chagrin. Tout à fait. Vin d'Amérique du Sud, j'ai jamais trop testé. J'ai jamais trop bu de vin du monde. Si, quelques vins italiens. Vin sicilien que j'ai beaucoup aimé. Le Nero d'Avola, les trucs comme ça. Bah, c'est bon, là. La salle de prière, elle est open. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait? Ah, faut peut-être que je prie, du coup. Ah, voilà. Oh. Oui, d'accord. Peut-être que je continue la prière à l'infini, du coup. Hein? Quoi? Je vais faire un truc que je vais regretter, je pense. Mais je vais le faire.
Il y a une TP donc. There is a TP. Oh. Je peux m'accrocher à ces trucs là du coup. On est où là? Je vais le regretter. Oh, c'est beau. Oh, c'est super beau. Perso, je préfère laisser aux autres tout ce qui contient de l'alcool. Ah! C'est gentil, ça? Bah oui, c'est gentil. Tu as des... Tu ne tiens pas l'alcool, Léna? Ou t'aimes pas ça? Ou... Ok. Sépulture de l'avatar. Putain. Ok. Balance des trucs, mais je sais pas trop ce que ça fait. Hein. Pas clair. Ok, retour à la maison. Il fait bon dans la maison. C'est méchant ça? Non. J'aime pas, je tiens pas. C'est pas bon quand on a des migraines chroniques. Alors effectivement, ça fait beaucoup de raisons. Je compatis. Par contre, dans 6 semaines, je vais pouvoir déguster la bière que j'ai brassée avec mes collègues. Ah, ça, c'est stylé, ça. J'avais fait un stage comme ça de microbrasserie, dans une microbrasserie à Nancy, là. Enfin, à Jarville, juste à côté. Et ouais, la récupération de la bière, elle était trop bonne. On l'avait faite nous-mêmes, du coup. Et tu récupères tes 6 bouteilles après l'embouteillage. Ça, c'est stylé. Je sais plus si c'était 6 semaines, en revanche. Je me souviens plus combien de temps on avait laissé macérer le truc. Enfin, fermenter la bière. C'était trop cool. Et le stage était vraiment cool. Le mec était hyper sympa. En plus, sa bière est trop bonne, donc faut que j'en rachète d'ailleurs. Putain, mais il y en a dans le caviste juste en dessous de chez moi. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Ah, d'accord. Là, ça a fait de la techno ici. Ah oui. The Cathedral. En fait, on va embouteiller dans 30 jours. Et elle refermente en bouteille, c'est ça? Ah putain, yes! Alors ça fait quoi? Il y a des gribouillis dessus, putain, au secours. Oh la manne, quoi. En vrai, je m'arrêterai là-dessus parce que là, il y a beaucoup d'infos, là, d'un coup. Ah, je vais avoir la TP du coup. Puis l'avantage, c'est que je peux ramener ceux qui ont bu chez eux. Tout à fait. Non mais c'est un calcul tout à fait rationnel, Léna. Moi je dis oui. Pff, oh, par contre du coup maintenant faut que je fasse gaffe. Il y a des gros cabs. Ah mais il y a un hôtel là-bas. Ah ouais, alors attendez, je redescends, je vais aller à l'hôtel, je vais sauvegarder et puis je vais m'arrêter là parce que... En réalité... Ça fait déjà beaucoup de choses là, qu'il faut que je visite. Ah, putain, il y a des coffres, attendez. Les coffres. Je vais activer ce truc là. Toujours moi qui conduis aussi, je suis tellement plus rassuré comme ça. Parfois ça saoule de pas pouvoir goûter des bons vins ou quoi. Mais ça compense pas. Bon après t'as le droit de boire un verre hein. C'est sûr qu'après quand les gens sortent 4 bouteilles de piche, c'est pas évident quoi. Ou alors faut bien calculer tes verres. Il suffit que tu tiennes pas trop l'alcool et c'est un peu chaud quoi. Ben, moi je m'arrange toujours pour pas reprendre le volant ou pour avoir un SAM. Mais dormir sur place, ça marche pas mal aussi. Hein. Bon, allez, je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal. Des bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très vite.